pourquoi Nicolas Dufour était notre invité ce matin. Et effectivement, il y a un an, nous recevions M. François Drouin, alors président d'Oseo, qui nous expliquait le fonctionnement du CICE et notamment son préfinancement. Et en 2013, 800 millions d'euros ont été accordés aux entreprises au titre de ce préfinancement, ce qui leur a apporté une réelle bouffée d'oxygène. Effectivement, aujourd'hui, ces entreprises sont victimes d'un rapport de force qui fait qu'elles manquent cruellement de trésorerie. Et ce financement, ce préfinancement du CICE est un apport essentiel pour pouvoir leur assurer un fonctionnement permanent. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, que 25% des entreprises qui déposent le bilan le déposent parce qu'elles sont victimes d'un non-respect des délais de paiement. Alors, M. Dufour a pu nous expliquer quelles étaient les nouvelles dispositions de financement proposées par la BPI, donc la continuité, bien sûr, du préfinancement du CICE, et il pense accorder aux entreprises en 2014 de l'ordre de 1,2 milliard, ce qui est quand même un montant essentiel pour assurer à ces entreprises une pérennité et éviter ainsi un nombre de procédures collectives encore plus important. Les directeurs financiers, les credit managers présents aujourd'hui ont pu faire valoir l'intérêt du financement et du préfinancement du CICE, notamment pour leurs clients, des TPE et des PME, qui aujourd'hui manquent cruellement de trésorerie et ont besoin de ce préfinancement pour pouvoir respecter les délais de paiement et régler leurs factures dans les délais.